L'analyse d'après-match de Cédric Lyabeuf. Bon, je pense que ce soir c'était encore pas mérité, mais c'est dommage de dire ça à tous les matchs. On a eu une belle réaction, une belle première mi-temps. Et puis on prend un but qui nous fait très mal à la 42e. Et puis après voilà, ben, comme d'habitude, et ça c'est bis repetita depuis 6 matchs maintenant. On court après le score et puis ben, on revient trop tardivement. Voilà, ben, encore de la frustration. Ça veut dire qu'il va falloir encore faire plus d'efforts pour pouvoir espérer faire au moins un nul. Donc voilà, on va partir à Boulogne pour une prochaine bataille en espérant ce coup-là que ça passe. Et on espère ça à tous les matchs, donc on va tout faire pour arrêter la spirale. Ce qu'il faudrait, c'est un point pour casser la spirale, je pense, non ? Bah déjà maintenir le point. Déjà maintenir le point dès le début du match, parce que ce qui est dommage, c'est qu'on part à 0-0. À la rigueur, on partirait déjà à 1-0, ce serait compliqué. Mais là, on part à 0-0, donc déjà maintenir le point et puis essayer d'aller le plus loin dans le match pour pouvoir prendre 3 points éventuellement. Là, le match de Boulogne, ça va être un match quand même assez important, surtout psychologiquement, pour vraiment... anéantir toutes les chances des équipes qui essayent de nous rattraper. Ok, merci Cédric. Bon, Michel, une analyse après cette 6e défaite là. Bah, je dirais que la série noire continue. Hein. On a tout mis en œuvre cette semaine pour essayer de faire tourner la roue. Et bon, ça s'est avéré de nouveau pareil que les autres matchs. Hein. On a une première occasion, on ne la met pas au fond. On a une deuxième, on ne la met pas au fond. Eux, ils ont un contre et puis c'est but. Voilà. Après, à partir du moment où ils avaient un but d'avance sur nous, ben, ils ont fermé, et puis en contre, un pénalty. Voilà. C'est malheureux, mais je dirais même, je ne sais pas, enfin, avec Damien, on ne sait plus quoi faire avec le staff technique. Est-ce qu'il ne faut pas faire venir un gourou, mais franchement, on fait tout pour que ça réussisse. Hein. On bosse à l'entraînement, on a même redoublé d'efforts. Et puis ça ne va pas. Je ne sais plus quoi dire. Hein. Je suis attristé par ces résultats parce que on a à peu près, bon, mis à part Benoît, mais on a à peu près la même équipe qu'au match aller. Où ça tournait bien, et puis là, je ne sais pas ce qui se passe. Je sais pas. Voilà. Pourtant, on ne peut pas dire qu'ils étaient très dangereux, quoi, à part ce contre. Et ah bah oui, mais une c'est ou deux petites occasions. Quoi, hein. Voilà, c'est ce que je disais. Ils nous ont attendus, et puis un contre. Bon, c'est vrai que sur le contre, il y a une erreur de marquage, et à ce niveau-là, on paye cash. Hein. Mais sans jeter la pierre au garçon qui n'a pas été au marquage, avant cette erreur, on doit gagner 1-0, et puis voilà, et puis le match est différent. Hein. Et c'est ce qui se passait plus ou moins en début de saison, même voire les années précédentes, où on arrivait à marquer ce premier but, et puis terminer le résultat en notre faveur. Voilà, je suis peiné comme tout le monde, et puis... En plus, y a malheureusement ce fait de notre ami Gilbert qui nous a quittés et ça aurait été vraiment, magnifique aujourd'hui de lui apporter cette victoire en son souvenir et malheureusement ben on a tout faux quoi donc il faut repartir de l'avant, continuer à travailler et puis. En sachant que les autres équipes du bas de tableau commencent à se rapprocher. Ouais, et encore, on a sans regarder derrière, parce que je veux dire, à un certain moment, il faut regarder sur nous, il faut chercher des points. C'est vrai que derrière, ils reviennent, mais on a encore cette petite chance qu'ils ne reviennent pas trop fort, puisque vrai. Boulogne a fait match 2-2, donc c'est encore un petit point. Donc, moi, je dis, il ne faut pas regarder derrière, parce qu'il faut regarder sur nous. Nous, il faut absolument qu'on fasse tourner cette roue dans l'autre sens
Alors, ça commencera par un match nul, sans montrer de football. Hein, je veux dire, encore aujourd'hui, on l'a vu, je veux dire, on prône un beau football pendant une demi-heure la première mi-temps. Et puis, à la finalité, ben, on se fait contrer. Et puis, alors, est-ce qu'il ne faut pas mal jouer et puis chercher des points? Voilà. Ça, voilà, c'est ça que je voulais dire. Est-ce qu'on a de la glace? C'est bon? Ouais, je voulais mettre la fin, mais bon. Ah, bonjour, aujourd'hui, Benoît Habit a la gentillesse de répondre à quelques questions avant son départ à Cap-Breton. Benoît, comment te sens-tu physiquement et moralement avant d'aller... Ben physiquement, pour l'instant, ça va. Normalement, à partir de samedi, ça fera 6 semaines et normalement, la blessure devrait être cicatrisée. Donc justement, je vais à Cap-Breton pour... pas pour forcément faire des soins, c'est pas vraiment une rééducation, c'est plus une remise en forme. Donc ça sera 15 jours de travail physique pour retrouver un niveau physique conforme pour pouvoir reprendre normalement, quoi. Mardi soir, j'étais derrière toi la deuxième mi-temps du match, quoi. J'ai vu que tu rongeais le frein pendant tout cette deuxième mi-temps. Il s'est passé quelque chose dans le vestiaire Ouais, non, mais il s'est passé quelque chose dans le vestiaire, mais ça restera dans le vestiaire. La configuration du stade fait que les journalistes sont beaucoup trop près de notre vestiaire et entendent un petit peu trop tout ce qui se passe dans le vestiaire. C'est des mises au point de vestiaire qui doivent rester dans le vestiaire. T'as fait ton travail de capitaine, quoi? Non, c'était un ressenti sur le moment. C'était sur quelque moment. Chose que j'avais envie de dire. J'avais pas forcément envie d'attendre le lendemain ou le surlendemain pour exprimer mon ressenti. Et donc voilà, c'était quelque chose qui avait besoin de sortir. Donc j'ai fait ce que je pensais être bon pour le bien de l'équipe. Tu penses qu'il manque quoi en ce moment à l'équipe pour casser cette spirale? Parce que 6 défaites... Il manque, je pense, un état d'esprit. Tactiquement, techniquement, je pense qu'il y avait de très bonnes choses sur le match. C'est plus des comportements et un état d'esprit de rien lâcher qui, je pense, fait défaut actuellement et qui fait qu'on n'arrive pas à faire des résultats qu'on faisait sur cette première partie de championnat où on dominait pas outrageusement les matchs, mais où dans l'état d'esprit on était irréprochable et on allait chercher les résultats tous ensemble. Là, je pense que c'est ce qui manque actuellement et il faudra très rapidement retrouver cet état d'esprit de guerrier pour pouvoir faire des résultats, sinon on va droit dans le mur. Okay, bah, merci Benoît et on te souhaite un bon rétablissement. Oui. C'est gentil. Et voilà.